States, you can find my love. Benji. Salut tout le monde, c'est Benji Glitcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à vous bugger en solo pour faire tout simplement les dons de véhicules. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi qu'aux chaînes qui se trouvent en description de la team. Donc ayez bien tous ces prérequis. Sur ce les gars, je vous laisse avec la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Enfin bref, une fois que vous avez tous ces prérequis la team, vous allez vous rendre tout simplement à votre arène et vous allez commander le véhicule qui vient de votre arène. Ensuite les gars, vous allez maintenir flèche du bas et vous allez tout simplement avancer vers votre arène et vous allez relâcher tout simplement le joystick sur Franck là et spammer sur X tout en fonçant vers le niveau d'atelier d'arène. Voilà la team, et là vous êtes buggé. Donc là vous êtes redirigé en mode histoire, vous n'avez plus qu'à rejoindre votre ami. Donc comme vous l'avez vu dans la manipulation les gars, vous avez vu que j'ai eu un flash blanc les gars. Donc si vous n'avez pas ce flash blanc les gars, recommencez la manipulation. C'est très important la team, sinon vous n'êtes pas buggé. Une fois que vous avez rejoint votre ami la team, vous allez vous rendre tout simplement à l'endroit du don de véhicule. Et vous allez tout simplement regarder vers la maison rose. Une fois que vous êtes comme ceci, vous allez faire pavé tactile, véhicule apposant, centre d'opération mobile. Et vous allez demander votre centre d'opération mobile. Une fois que vous l'avez demandé, vous allez tout simplement appeler votre mécano et tout simplement commander la Elegy RH8. Donc là, je vais vous montrer tout simplement où se situe le don de véhicule. Voilà la team. Donc faites pause sur mon menu pause à moi. Et voilà la team. Ensuite, vous commandez votre Elegy RH8, donc le véhicule à perdre par le mécano. Une fois que votre Elegy RH8 est tout simplement livré, vous allez monter à l'intérieur et vous allez demander à votre ami qu'il monte avec vous. Mais avant ça, il va mettre son véhicule en accès passager. Donc pour ceci, il fait pavé tactile, il va dans véhicule et il met accès au véhicule passager. Donc voilà, une fois qu'il a fait ceci, il va monter à l'intérieur avec vous en côté passager lui aussi. Et donc là, à ce moment-là, vous allez vers votre centre d'opération mobile, donc à l'arrière, et vous allez faire une fois flèche de droite. S'il y a un message, vous l'acceptez. Une fois ceci, vous serez freeze. Donc votre ami, lui, tout d'abord, il doit se mettre en menu options. Et après, il reste comme ceci. Vous vous reculez avec votre Elegy RH8. Une fois que lui, il est descendu, vous maintenez flèche du bas. Vous sélectionnez Franck là. Sur le message alerte, vous faites rond. Ensuite, vous vous dirigez vers votre centre d'opération mobile. Vous faites entrée seul. Donc votre ami doit rester près du centre d'OP. Et ensuite, vous allez tout simplement être en écran noir. À ce moment-là, vous attendez 5 secondes, ensuite vous maintenez flèche du bas, vous sélectionnez Franck là et vous faites rond dans l'écran noir la team. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Une fois que ceci fait, les gars, vous allez faire rond et là vous serez invisible et là vous montez dans le véhicule que votre ami veut vous donner. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite manipulation vous aura plu. Donc quand je ferai un don de véhicule les gars, il faudra que vous soyez buggé comme ceci en solo la team. Comme ça on gagne un maximum de temps et je pourrai faire un maximum de personnes. Voilà les gars, donc moi je vous souhaite un excellent game à vous et de très bonnes vacances. Sur ce la team, c'était Benji Glitcher et ciao tout le monde, bye bye.